Bonjour, je suis Alice, maquilleuse professionnelle. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment faire un maquillage nude ou plus communément appelé maquillage naturel. Donc l'avantage de ce maquillage, c'est bien évidemment d'être maquillée tout en étant discret. En ce qui concerne les produits, vous allez donc avoir besoin d'un fond de teint fluide, d'une poudre libre, d'un blush, d'un gloss et d'un fard à paupières d'une couleur très claire. Donc au niveau du matériel, nous aurons besoin d'un pinceau poudre, d'un pinceau pour le teint, d'un autre pinceau pour le blush, d'un pinceau pour appliquer le fard à paupières, d'un pinceau lèvres et du mascara ainsi que de l'anticerne. Nous allons donc commencer par appliquer le fond de teint. C'est un fond de teint qui est très fluide et qui permet de donner de la transparence au teint. Donc on l'applique toujours en commençant par la zone médiane. Donc rappelons-le qui est le front, le nez et le menton. Puis on étale le produit de l'intérieur vers l'extérieur. Nous allons maintenant procéder à l'application du blush avec un pinceau blush et le blush crème. Vous en prélevez un peu sur le pinceau, vous estompez sur votre main et ensuite vous appliquez sur la pommette par tapotement. Donc là, il faut vraiment ne pas en mettre trop puisque c'est un maquillage naturel, par conséquent pas trop chargé. L'étape suivante est l'application de la poudre. Pour cela, je vais avoir besoin de la poudre libre et d'un pinceau poudre. Donc la poudre va permettre de fixer le fond de teint et de matifier la peau tout en apportant un toucher mat et velouté. On en prélève un petit peu dans le creux de la main. On charge le pinceau puis on le décharge afin de ne pas appliquer trop de matière. Puis on vient l'appliquer sur le visage en mouvement circulaire. La poudre s'applique sur tout le visage et en priorité sur la zone médiane, qui est la zone la plus brillante du visage. Nous allons maintenant procéder à l'application du fard à paupières rose clair. Donc vous en prélevez sur le pinceau, vous estompez légèrement sur la main, puis vous appliquez sur toute la paupière mobile en tapotement. Il est inutile d'en mettre plusieurs couches puisque le maquillage doit rester discret. Nous allons maintenant passer à l'application du mascara. Donc, il doit être très léger sur les cils et on va en mettre que sur les cils supérieurs. Nous allons maintenant passer à l'application du gloss. Donc, j'ai choisi un gloss très clair qui va juste donner une toute petite coloration aux lèvres. Donc, j'en prélève légèrement sur mon pinceau. Donc pour la dernière étape, nous allons donner de la lumière au teint en appliquant de l'anticerne sur les cernes et sur le haut des pommettes. Donc j'applique quelques points d'anticerne que je viens estomper avec mon doigt. Donc toujours par tapotement pour bien que la matière se fonde avec la peau. Vous en mettez également légèrement sur le haut des pommettes pour donner de la lumière. Voilà, notre maquillage est terminé. Donc le plus important dans ce maquillage, c'est le teint. Donc surtout, ne mettez pas trop de matière et laissez-le transparent.